Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Hogwarts Legacy pour voir où trouver les pages de Revelio, gargouille du bureau du directeur, portrait endormi et chapeau magique. Et pour ça, il y a un petit prérequis, c'est qu'il faut avoir atteint un certain stade au niveau des quêtes principales. En gros, vous pourriez avoir accès à partir du moment où dans les quêtes principales, vous serez allé dans les souvenirs d'un des portraits de la salle de la carte. Où vous affrontez littéralement la mort et que vous utilisez les différentes reliques de la mort et que vous êtes dans un niveau en noir et blanc. Normalement, le niveau est assez marquant, donc si vous ne voyez pas ce que je veux dire, c'est que vous ne l'avez pas encore débloqué. Là, j'en suis à la saison de l'hiver, bientôt du printemps. Donc c'est à peu près à ce stade-là qu'on va débloquer tout ça. Et du coup, on va partir de la salle des trophées. Donc, c'est au niveau de l'aile sud. En haut à gauche de Poudlard. Pas du tout, ça va être celui-là. Le grand escalier. Salle des trophées. Et du coup, à partir de la salle des trophées, alors déjà, sachez que dans la salle des trophées, il y a énormément de pages de Revelio. N'hésitez pas à faire le tour. Alors là, ça, c'est une page de Revelio armure d'ogre. Il y a l'armure de gobelin. Vous rentrez dans la salle. Il y a une page de Revelio. Ici, la reliquaire de la coupe de feu, il y en a une ici, ici, enfin bref, faites le tour de la salle des trophées. Vous traversez la salle et vous allez à droite et vous ouvrez cette porte-là. Et on va monter. Le chemin est long. Et à droite. Là, vous avez un miroir. Revelio. Gargouille du bureau du directeur. L'escalier qui mène au bureau du directeur est gardé par une gargouille enchantée qui ne laisse passer que ceux qui connaissent le mot de passe. Il est difficile de croire que quelqu'un ait envie de rendre visite à son occupant actuel. Bah, la gargouille n'est plus là, hein, parce que du coup, on a fait la quête. Donc, la gargouille ne garde plus rien. Donc là, vous montez. Encore une fois, il faut avoir débloqué la quête. Là, vous faites un Revelio. Portrait endormi. Tous les directeurs et directrices n'apprécient pas de revivre les difficultés quotidiennes liées à la gestion d'une école de sorcellerie. Certains préfèrent profiter d'une sieste bien méritée dès que possible. Bah, ils dorment même. Ah, si, ils dorment. Bon, ils dorment pas tous, hein. Ensuite, à droite, il y a le Choixpeau qui est enfermé, le pauvre. Chapeau magique. Ce chapeau enchanté a été créé par les quatre fondateurs de Poudlard dans le but de déterminer la maison à laquelle appartiennent les nouveaux élèves. Le chapeau a le don de l'égilimancie et peut donc lire les pensées de celui qui le porte et déterminer ses capacités. Bah, du coup, c'est super abusé pour intercepter les criminels. Tu lui fous le chapeau. Hop. Sérum de vérité, il peut rien faire. Hop. Voilà. Bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne au travers du Tipeee, ça aiderait à son développement. Et à la prochaine. Il y a un truc là. Pour une future vidéo. Ciao!